Bien qu'on pourrait s'arrêter là, ce serait dommage de le faire, car ce code n'est pas forcément le plus facile à comprendre, et si on ajoute des choses, ce serait dommage de les ajouter sur des fondations qui ne sont pas solides. Ce que moi j'ai envie de faire ici, c'est de ramener les ifs sur un seul niveau. En fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut tout simplement merger le else et le if parce que ça porte sur le même variable age. Donc là, on voit que on avait des trucs très indentés et maintenant c'est beaucoup moins indenté. Pareil ici, sauf que là, je peux pas le faire tout de suite. Et il faudrait d'abord que je flippe ce truc-là. Parce que si je vais merger, il faut que le if else ici soit dans la clause else. Donc si je change, bah du coup, là je peux le faire. Voilà. Ça c'est un peu plus facile à lire. Qu'est-ce qui reste? Il reste encore ça. C'est dommage, ça porte sur la même variable. Ce qu'il faudrait quelque part faire, ce serait de mettre ça à l'intérieur. Donc je vais le déplacer ici. Et ce que je fais là, c'est en réalité une générique, enfin une technique générale qui je peux supprimer ce if si je l'ajoute à chaque instruction sous-jacente. Donc là, je l'enlève de cette manière-là. Et voilà. Maintenant, ça, c'est assez propre. Ça, c'est drôle. Parce que là, on voit qu'il y a une branche qui n'est pas couverte. Et était déjà pas couvert. Mais maintenant, on voit pourquoi il n'est pas couvert. En fait, il n'est pas couvert parce que c'est tout simplement une répétition. Bref. Maintenant, on a simplifié le code et on pourrait continuer. Encore, y a-t-il quelque chose à améliorer ici? Car cette logique-là, on voit que à chaque fois, on fait math.sil. Et là, on fait pas math.sil, mais c'est zéro, donc c'est déjà sil. Il y a une règle métier qui est là, qui n'est pas très explicite. Et puis la différence ici et là n'est pas évidente. En réalité, il s'agit ici de 25% de réduction et là de 30. On pourrait faire quelque chose de mieux pour ça. Ce que je ferais bien pour commencer, c'est de dire que au lieu de faire ça, je ferais bien un objet qui coste et qui fait cette logique-là. Alors pour faire ça, j'aurais besoin de dire quelque chose comme ça, price égale new cost. Donc on l'appellera cost après, mais là maintenant c'est pas très réussi de le faire. On va créer cette classe. Donc c'est un number évidemment. Et on va dire que c'est un public. Read-only cost. Et cette petite tricherie fait que je peux. C'est le même objet. Enfin, il a une propriété cost aussi. Tout comme cet objet-là. Donc, ce que je peux dire, je peux faire ça et je peux dire que ça, c'est tout simplement le price.math.sil round up. Et je vais créer la méthode roundup et je vais dire que c'est return mathstill.this cost. Ou je peux dire que new cost. Voilà. Et ça fonctionne aussi. Donc je retourne un nouveau cost. Et là, je suis un peu en bride, j'ai un cost ou un objet tout bête.
Comment est-ce que je voudrais faire ici? Ici, je voudrais faire pas seulement roundup, mais réduire par. Donc price.reduce by percent 25 et roundup. Et là, il faut que j'ajoute la fonction ici, percent. Donc là, c'est return new cost de this.cost fois 1 moins percent divisé par 100. Voilà, ça fonctionne. Donc du coup, maintenant, on n'a plus besoin de ça. Et là, je pourrais remplacer tous les autres endroits avec des choses similaires. 30. Et là, 60. Ok, maintenant, il me reste plus que celui-ci. Et là, j'ai envie de dire que ça, c'est... Ça, c'est mass.free. Non, cost.free. Évidemment. Zéro. Ah, ça, c'est gratuit. Ça, je peux l'enlever. Eh ben non, mes règles métiers sont beaucoup plus encapsulées. Et je pourrais même faire mieux que ça. Je pourrais dire que... Non, je vais déjà faire en sorte d'avoir ça aux deux endroits. Et je vais faire le roundup que à la fin. Évidemment, je le fais quand même aux deux endroits. Pourquoi donc? Price. Voilà. Et là, ce qui me permet de enlever cette petite duplication qu'on retrouve ici. Et encore mieux, encapsuler les règles métiers. Bien. On a extrait ce petit objet qui permet de donner un domaine métier un peu plus parlant et qui encapsule mieux les règles métiers de notre domaine. On est prêt pour faire le TDD pour la nouvelle fonctionnalité.